Chantage meurtrier. Non, mais attendez, vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas un truc sur le, le mot de Milton Pierce pour dire qu'il est euh, bien plus que vendu. <laughs> euh, le pistolet. Chantage. Parole tenue. Maintenant que Byers n'a plus à s'inquiéter de sa femme et de son fils, il peut admettre le meurtre de Vanderberg. Le pistolet. Alors, justice. Le pistolet de Bayer, c'est l'arme du crime. Il l'implique directement dans le meurtre de Vanderberg. Malice. Celui qui est en possession de ce pistolet euh, sera impliqué dans le meurtre. Je pourrais en tirer profit. Alors, on, on m'a dit. Euh... Alors, par contre, ce qui me dérange, c'est que. Euh, voilà. Là, il faut faire devoir de citoyen à tous les coups. Pour que euh, derrière. Euh, on ait un truc euh, cohérent. Sauf que. Bah, euh... Parce que ce n'est pas ce que je souhaite. Quoique d'ailleurs ça n'a rien, rien fait. Ah oui d'accord. J'ai tout ce qu'il faut pour, pour le condamner, quoi. Piégé Milton Pierce. Elle montait de toutes pièces son coup contre moi, mais je vais lui rendre l'appareil. Si je laisse les, le pistolet avec ses vêtements ensanglantés et que je prends une photo, euh, Monsieur Carpenter sera sûrement convaincu et fera le nécessaire pour le condamner. Et voilà. Sauf que nous, on n'est pas comme ça. Et du coup, euh, c'est à qui C'est à la police ou c'est à Carpenter qu faut que, je donne, que je donne ça ah, je le montre au maître d'hôtel des carpenters. Oui, donc lui après il va aller voir la police. Très bien. Alors après, il se pose encore une question. Est-ce qu'on va aller voir la mère de, de Pierce pour lui dire que son fils est une ordure fasse quand même quelque chose contre Pierce quoi parce que... La réponse est oui bien sûr. <laughs> bien sûr qu'on va y aller. Bon oh, on peut pas le laisser s'en tirer aussi facilement non plus quoi. On sait que le gars a des problèmes de fond pour sa campagne. On va au moins essayer de lui rendre la vie un peu plus difficile. Par contre, le seul problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de, de preuves sur le fait qu'il euh, il veut qu'on tue sa mère. On a une bouteille de poison, mais bon, ça. Qui n'en a pas aujourd'hui hein. Surtout dans cette ville. Par là-bas. Oh oui, elle euh, soutient activement son, son fils. Bonjour, Agatha Pierce, j'imagine. Agatha Pierce, je présume. Je suis Charles Reed, détective privé. Bien le bonjour, jeune homme. Que voulez-vous J'aimerais vous parler de quelque chose. C'est au sujet de votre fils, Milton. Oh non Que s'est-il passé Il passé oh, J'ai bien peur que ça prenne un certain temps à expliquer. Auriez-vous par hasard quelques rafraîchissements ah non mais par contre, on ne fait rien. Je garde ma cave bien garnie, précisément pour les occasions comme celle-ci. Auriez-vous la de nous apporter une bouteille de Chianti Vous m'avez l'air tout à fait capable. Vous allez dans Tourloupe Ah non, tout va bien se passer. Je m'en occupe. Voici les clés. La bouteille de votre choix. Donc c'est du Chianti. Et n'hésitez pas à voir les choses en grand. Vous êtes mon noble invité, après tout. <laughs> voilà, votre fils voulait que je vous tue. Milton m'a envoyé ici pour vous empoisonner. Milton no. Non Non, c'est impossible. Allons, monsieur Reed. Oh, monsieur Vous devez forcément faire erreur. Oh. Mon fils, Milton, mille mille comme on l'appelait. hérité oh à tout prix, mais pour ça, il fallait que votre mort paraisse naturelle. D'où le poison Non, je refuse de vous croire. Allez-vous-en. Pardon. Je me sens mal. Pardon. Oh Elle mal à l'aise Non, ça va. Désolé. Je ne hein. comprends pas. Qu'ai-je fais pour mériter ça Ah, j'avais pas envie de la faire souffrir, la pauvre dame, mais bon c'est de l'alcool énorme bon je prends deux trois trucs euh... la porte refuse de bouger ça traîne par ici c'est on dit euh, tant que ça traîne euh... tant que ça traîne c'est presque du gâchis Très bien. Bon, on a gagné quelques petits objets en plus. C'était sympathique. Désolé, euh, madame, hein, bien sûr. Il oh, y a un étage ici. Yeah. Ah, désolé pour tout, mais euh, il fallait que vous sachiez. Vaut mieux quelques petites larmes et que l'armichette qu'une bouteille de cuir antique qui passe mal, quoi. Vous voyez. Bon, et maintenant que ça c'est fait, j'ai refusé de la tuer. Euh... Voilà. Très bien. Alors moi ce qui me fait peur c'est que ça ne servi à rien. Parce que peut-être que là elle va être bouleversée, puis après elle va, elle va se mentir elle-même et elle va se faire... Non mon petit mille mille, il ferait jamais ça. Et là, là ce serait tout bonnement terrible. Mais euh, au moins on fait naître la chance, on fait naître la possibilité que elle retourne voir Milton et qu'elle fasse, tu vois toute ta thune là. Bah j'ai engagé des gardes du corps déjà premièrement, et euh, ensuite euh, ta campagne n'aura jamais aucun fond. Et je vais, je vais t'enfoncer comme un clou. Ça serait beau, on apprécierait. Mais quoi qu'il en soit, même si bien sûr on a envie envie d'emprisonner avant tout euh, ce saligo de, de mer. Euh, on a envie de, de prendre en sympathie Glenn. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est bel et bien Glenn qui a, qui a tué Johannes. Byers a reconnu les faits. Bonne nouvelle, j'ai trouvé l'homme qui a réellement tué Vanderberg. Il s'appelle Glenn Byers. Et mieux encore, j'ai ses aveux écrits de sa propre main. Vous êtes rapide, Monsieur Reed. Mais comment comptez-vous réfuter le témoignage de Pierce contre vous Eh bien, il se trouve que j'ai ici une lettre expliquant en détail comment on a oui. les Pierce pour mentir à la police. La bonne lettre, ça, ça va lui faire mais mal, à Pierce. Excellent. Merci. Ça, je, je vais, vais confier tout ceci aux forces de l'ordre. Euh, Bayard mérite qu'on le traite avec indulgence. Je suis à le dire, ça, il faut qu'il y ait quand même une peine. Enfin, faut, 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 faut qu'il, c'est la loi, quoi. Euh, faut qu il Soit équitable, mais. Euh... Pas la peine de le rouer de coups. Hein. Avec un du genre, ça, ça reste à mon gré. chose. Glen a uniquement commis le crime contre son gré et a voilà, ruiné tous les faits pour faire face. Il faut, à faut mettre en avant tout ce qui s'est passé pour, les les pour que la décision soit juste. Je verrai ce qu'on peut faire. Mais sachez, Monsieur Ridd, que dans cette ville, un excès de gentillesse est facilement exploité. Bien sûr. Au revoir. Vous n'avez pas du travail à faire. Oui, maintenant. Sentiment étrange. Il y a une présence surnaturelle près de la demeure des Carpenters. Je peux la ressentir dans l'air. Oh la vache! Vous vous en sortez à merveille, monsieur Reed. C'est pas vrai. Je vous attends au Devil's Reef Hotel. Ah bon. Le mec n'a aucune limite. <laughs> Le mec est mort, il s'en fout. Hein. Il est toujours dans son petit siège. C'est pour ça qu'il a veillé à mourir assis. <laughs> oh, Johannes. Il est incroyable, hein, Johannes. Toujours la classe avant tout. Alors, l'hôtel. Moi, Johannes m'appelle. Je cours. Je cours, je vole. Tout pour un dialogue avec Johannes. Alors par contre, étant donné qu'on a déjà des meubles dans l'hôtel, s'il pouvait éviter de ramener sa chaise en plus, on risque de plus avoir l'espace pour bouger. Après j'imagine que vu qu'il est en mode fantomatique, on peut passer à travers. C'est plutôt pratique. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à notre hôtel, je crois qu'on a des nouvelles tenues en plus. Je vous surveille, étranger. Oh là là, ça va, je viens une fois tous les trois du mois. La moitié du temps, c'est parce que je m'évanouis. Oh, il est de. de chair et de presque 100. Et ça, c'était déjà mon truc. Comment Comment est-ce possible Enfin, monsieur Reed, j'ai entendu parler de votre dernière affaire. Laissez-moi vous féliciter, vous vous êtes vraiment surpassé. Une question, si je le puis. Ah, mais. Ben. Attendez, vous êtes en vie! J'en ai eu une, moi, de question. Comment diable êtes-vous en vie? Que puis-je vous dire? La prochaine fois, pensez donc à vous appliquer un peu plus, mon cher. Ah bah Ça bravo! pas moi, et vous le savez pertinemment. J'ai subi un véritable enfer, et il n'y a même pas eu de meurtre. Je pense que l'accusation aurait son mot à dire là-dessus. Ils avaient tout le nécessaire: une victime, une méthode et un coupable. Le reste, c'était pour le spectacle. Mais du coup, il n'est pas vraiment mort ou j'ai une hallucination ou comment ça se passe Vous m'avez tendu un piège. Alors quel acteur, Johannes. Je l'ai tendu, mais vous l'avez déclenché. Je vais vous... Me quoi Me tuer Ne vous méprenez pas. Je serais fort diverti de vous voir trinquer une deuxième fois pour mon meurtre. Mais nous avons affaire. Que voulez-vous dire Vous le savez très bien, monsieur Reed. La prophétie, le saut. Vous faites désormais partie de quelque chose de grandiose. Commençons par votre affaire. J'ai été surpris de vous voir rater le coche. Pourquoi, Charles Pourquoi avez-vous livré ce pauvre monsieur Byers à la police oh, C'est le moment de, de s'expliquer. Bah, il était coupable. Il était coupable. Il a appuyé sur la détente. Oh, vraiment Mon cher Charles, vous avez appuyé sur la détente plus d'une fois, vous aussi ah oui, mais j'ai pas eu de tribunal ou de procès. Plus de cohérence morale. Quoi qu'il en soit, j'estime que cette expérience est un succès. D'ailleurs, vous devriez voir tout ceci comme un avant-goût de votre ultime épreuve. D'accord. Par contre, oui. Euh... Bon, qu'il soit mort ou pas. S'il n'est pas mort, par contre, comment est-ce qu'il a fait pour rester comme ça sur son siège en mode Il est mort, pendant que nous, on investiguait la la scène et tout ça. C'est un malade. C'est un fou il est extrêmement talentueux ou alors euh, il sait construire euh, des faux acteurs hein, et les mettre sur son petit fauteuil euh, comme euh, comme il le souhaite. Mais autre point, il a communiqué avec nous euh, par voie euh, télépathico fantomatique hein, quand même. C'est bon à signaler, euh, on n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est <laughs> qui est vraiment clean. Pourquoi faites-vous tout ceci Je ces comprends pas. Qu'avez-vous à gagner là-dedans Vous vous enfoncez au cœur des ténèbres, monsieur Reed. Je vous transmets le savoir nécessaire pour y trouver votre chemin. Et il est bien en jaune. Accessoirement, c'est la couleur qui fait un peu peur sur la nouvelle faction des Illuminati. Euh, mon épreuve Mon ultime épreuve De quoi parlez-vous C'est quoi le rapport avec tout ça C'est intimement lié. C'est votre destinée. Une destinée qui dépasse l'entendement. Celle d'un être cosmique qui a le pouvoir de changer les choses, d'y mettre fin. De mettre fin à quoi À tout. Cette ville n'a été que souffrance pour vous depuis le début. Voyons, votre vie tout entière n'est que douleur. En désirer la fin n'est que naturel. Mais contrairement aux millions qui vous ont précédé, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez transformer cette simple prophétie en vérité absolue. Vous ne voulez pas dire que. Le sceau de Ktigonar est entre vos mains. Vous possédez la clé des portes et tout ce qui gît derrière. Vous pouvez les fermer et l'humanité s'accrochera à sa propre misère pendant quelques siècles encore. Où vous pouvez les ouvrir et y mettre un terme. Ce que vous ferez. Allons Pourquoi voudrais-je détruire l'humanité Car autrement, votre existence aura été futile. Avez-vous la moindre idée du nombre d'élus qui ont vu le jour au cours des siècles Une horde sans nom, sacrifiée sur l'autel de maîtres invisibles, tout comme ceux qui ont versé leur sang sur les terres de Flandre. Ces sacrifices n'étaient pas en vain. Nous avons gagné la guerre. Une guerre parmi tant d'autres. Telle est la nature de votre espèce, sa raison d'être. Souffrir Vous êtes des singes, dans une cage ouverte, et vous refusez d'en sortir. Seul vous pouvez faire la différence. Y mettre fin pour de bon. Bon, euh, globalement, euh, il en a marre, quoi. <laughs> bon, on va rester soft. Vous avez tort, et je le prouverai. Vous ne prouverez rien. Vous mourrez, et au prochain tournant du cycle, un autre viendra, un qui aura le courage de finir le travail. Néanmoins, je ne puis vous abandonner, que vous partagiez mon point de vue ou non. Votre destin est trop important, même si votre choix échappe à mon contrôle. Là-dessus, au moins, vous voyez juste. Il y a dans cette ville un archéologue. Il est sur le point de découvrir le secret de Ktigonar, et ah, pardon, vous avez besoin de son aide pour entrer. Il s'appelle Joseph Hill. Aller lui parler et gagner Dis son quelque respect. chose Josephine. ici son adresse ouais, faut lui rendre des services c'est tout vraiment après tous ces discours vous ne savez même pas comment trouver Tigonard. si je le savais aurais-je besoin d'engager un détective privé c'est de la folie Johannes. toute cette histoire et je n'ai toujours aucune raison de vous croire la vérité est ce qu'elle est qu'on y croit ou non vous pouvez l'accepter ou essayer de refermer les yeux c'est sans importance. Adieu, Charles. Que l'on se reparle ou non, je garderai un oeil sur vous. Rassurez-vous. Veillez à ne plus perdre le saut, où tous vos efforts seraient vains. Nous nous reverrons. Oui, oui, t'es pas de le dire comme ça, euh, ça va. Ah oui, on a euh, Gangster. Voilà. des petits trucs de. J'ai l'impression que son visage y change là par contre. Euh, donc, euh, petit gangster, hein, petite tenue classe. On a le pêcheur. <laughs> Et on a le médecin de la peste. On va être euh, gangster, tiens. Voilà, petite tenue. Affaire terminée. 1365 points d'expérience. Nouvelle affaire l'ombre du phénix. Avec des secrets enfouis. Et le fameux saut. Alors nous avons un point. Et bientôt, un second. Ah non, maintenant il faut 1500 d'expérience et non plus 1000. Nous avons atteint un nombre de points incroyables. On est à combien Attendez, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Plus celui qu'on a eu 20. Donc après ça, de 20 points, ça passe à 1500. D'accord. Euh, je pourrais faire plus d'explosifs. Ou euh, plus d'efficacité au combat. Toujours plus d'efficacité au combat. On augmente la précision avec la mitraillette. 20% de dégâts en plus avec le fusil. Allez. Les bons dégâts. Là ici on avait un. Un nouvel élément. Ne nous servira plus à grand chose. Alors, Joseph Hill. Mais ce nom dit quelque chose. Hein. Je pense que euh, on nous a déjà parlé de lui, ou du moins on a lu des articles sur lui, peut-être. Il est à Reed Heights, à l'est, sur Limbert. Limbert, c'est ici, entre Hillog et Hale. Donc là. Il habite là. Ok. C'est pas loin de là où il y avait le restaurant, si je me souviens bien. Oh Un nouveau costume. Vanderberg, mais c'est pour être habillé en jaune, ça. C'est marrant. S'il si me l'avait donné euh, avant que je ne sorte de, de l'hôtel... Euh, quand j'étais encore dans ma chambre. Euh, peut-être que. Mais là, non. On va rentrer dans l'hôtel. On se respecte quand même. On a une race. Alors, ce serait peut-être le bon moment aussi pour se euh, pour setuper euh... une affaire euh, annexe plutôt. Mais bon. Je viens de faire le voyage vers l'affaire principale.